Bon, donc justement, me revoyez abonnés. Alors, donc, juste là, l'instant, je renferme une notification à la tablette. Bon, c'est vraiment parce que justement, j'ai un, là tout juste à l'instant de connecter à internet. Donc, c'est, on va dire, tout à fait normal, quoi. Alors, donc là, comme vous pouvez voir, j'ai mis un code. Vous voyez? J'ai mis un code. Donc, quoi? Alors, donc là, maintenant, c'est parti pour la mise à jour du système. Donc, voilà. Oups. Vous voyez? C'est parti là, maintenant, pour la mise à jour du système. Allez, c'est parti. Donc justement, ben voilà. Alors, donc là, c'est parti. Donc, on va mettre un jour la tablette. Donc, pour mettre un jour la Samsung Galaxy Tab A8, avant, j'ai vu, c'est paramètres, à droite, c'est mise à jour logiciel. Alors, donc ici, je mets téléchargement et installation. Donc, là, ici, je cherche les mises à jour. Alors, à la base, il y en a toujours un. Vous voyez, à la base. Noir. Alors, donc là, donc la fonction de la, donc la mise à jour d'information, c'est donc c'est One, c'est la version One Windows 5.1.1, la version je sais pas c'est quoi, enfin ça je sais pas ce que forcément je ne j'ai mu, 1080,23 MHz, niveau de sécurité 1er octobre 2023, vous voyez. Donc c'est à dire que là, ça date d'il y a pratiquement 2 mois la mise à jour de sécurité. Donc voilà. Bon, forcément, vu que j'ai la fibre optique, comme vous pouvez le voir, forcément ça va vite. Vous voyez, c'est déjà à 75%. Ah, ça c'est pratique ça, ici. Ça, je peux avoir accès à toutes tes applications. Vous voyez? Donc, ça, j'avoue, c'est très très pratique. Donc, voilà. Alors. Donc, là, il marque avertissement. Donc, il marque forcément qu'on peut pas utiliser. Pendant qu'elle se met un jour, il marque après que certains paramètres risquent de changer après une fois que c'est mis à jour. Et la troisième et dernière avertissement qui marque, c'est que cette mise à jour ne devrait pas affecter nos données personnelles, mais qu'il est toujours recommandé d'en faire une parmi les sécurités. Sauf que moi, c'est un truc que j'ai à peine installé, donc forcément, voilà quoi. On va peut-être que je cliquais sur un site maintenant. Vous voyez, je cliquais sur une affaire maintenant. Vous voyez. Voilà, assez maintenant. On n'a peut-être pas pris en compte en fait. Ou alors c'était juste parce que vu qu'en ce moment mon réseau il est un peu instable. Ah voilà. Parce que j'ai peut-être vu qu'en ce moment mon réseau il est un peu instable. C'est peut-être pour ça, vous voyez, que c'est un peu de mal. Voilà, donc là, il marque mise à jour du système Android. Donc là, il traite le package de mise à jour. Oui, il marque. Donc voilà. Alors. Ok, je peux même plus avoir accès aux notifications. Super. Enfin voilà. Donc là, elle va redémarrer. Vous voyez. Donc, ça elle redémarre. Donc là, il marque sécurisé par Canos. Je sais pas c'est quoi. C'est souvent un truc Samsung, hein, une autre fois. Donc voilà. Alors. Après, juste à voir, hein, ah voilà.
Donc ça empêche, c'est assez vite, ça assez rapide. Voilà. Oui, ça a déjà fait un quart de la mise à jour. Enfin, en fait, il faut savoir que vu qu'en ce moment, il y a beaucoup de vent, enfin, là où j'habite, il y a beaucoup de vent et tout. En ce moment, il y a un peu un temps de chiotte dehors. Donc, quand? Ouais, vu qu'à ce moment, il y a un temps un peu de chiotte dehors, là où j'habite, bah forcément, ma connexion est un peu instable. Donc, voilà. Bon. Donc je reprends une fois que c'est installé. Allez, à tout de suite. Voilà, donc justement, me voilà. Alors donc là, j'ai fait un peu tourner au la tablette pour la mise à jour. Donc je vous montre ça en est. Donc ça, avant que vous ayez fait, il y avait à peine chargé un quart de mise à jour. Là, j'ai plus de 3 quarts, donc ça tombe très bien. Oui. De toute façon, vu que je la fibre optique, ça va vite. Donc voilà. Enfin voilà, alors. Donc là, j'espère que dans le futur, il y aura encore des mises à jour. Parce qu'en fait, je vous explique. Moi, enfin, bon, ça, je pose un avant. En fait, je vous explique. Quand moi, j'avais mon Xiaomi, donc le Redmi Note 9. Puis, avant, j'avais un Xiaomi en dehors de l'Oppo. Avant, j'avais le Xiaomi Redmi Note 9. Maintenant, j'ai un Oppo A76. En fait, en gros, quand j'ai mon Xiaomi Redmi Note 9, pour vous donner une idée, il n'y avait presque pas de mise à jour système. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand il y avait, enfin quand j'ai fini d'installer Android, et ben en fait, en gros, si vous voulez, il y avait une mise à jour disponible, donc je l'ai faite. Et après, pendant longtemps, il n'y en avait plus. Enfin, il y en avait quelques-uns. Ouais, en gros, il y en avait quelques-uns qui a suivi les mois suivants. Mais après c'est fini, il n'y a plus de mise à jour. Et après il y a un problème que j'avais dû signaler pour qu'il y ait à nouveau une mise à jour. Je promets que c'est vrai. Donc là j'espère qu'avec ça, j'espère qu'avec la tablette, il y aura les mises à jour. Dans le futur, j'espère au moins un an de mise à jour parce que... Enfin... Oui. J'espère qu'il y aura au moins un an de mise à jour parce que comme ça, au moins... Oui, ce que je veux dire, c'est que les amis, c'était peut-être 3-4 mois à peine de mise à jour, donc c'était un peu chaud. Donc voilà. Bon, en attendant, je mettrai, tu sais, la coque. En attendant. Donc voilà. Attention. Ah, forcément, j'ai un autre du cutter. Parce qu'il y a... C'est vrai qu'on peut voir, j'ai un autre du cutter parce qu'en bas, en fait, il y a un... Oui, peut-être pas, mais en fait, c'est un truc transparent. Moi, je le sens parce que je peux le toucher. Et en fait, il faut que je l'ouvre. Vous voyez? Et, enfin. Oui, il faut que je sois terre pour pas me couper parce que, enfin. Ok, là, je vais faire comme ça parce que comme ça, si jamais ça va derrière sur la table, quoi. T'as regardé, j'espère que je peux t'abattre non plus. Peut-être comme ça, parce que je sais, c'est un peu chaud pour ce truc. Ok, je comprends. Attendez. Hop, ça fait comme ça. Forcément, je remets. Attends, je suis en train de tout casser, ça va. Enfin, c'est bon. Oui, c'est bon, voilà. Alors, donc, déjà, il y a une magnifique feuille sur le dessus. Enfin, parce que au moins, je pense, c'est genre c'est comme ça, vous voyez. Et donc, je l'ai enlevé comme ça, quoi. Donc, voilà. Enfin, alors. Ok, donc là il y a un truc en plastique. Vous voyez. Et donc là il y a une feuille. Et là c'est bon, c'est enfin accès à la coque. Mon dieu, c'est un vrai foutoir. Hein. Alors donc là, la tablette a redémarré. Oui, il y a marqué optimisation des applications. Alors, ok, donc il faut que je fasse ça comme ça.
Du coup, voilà. Alors, donc là, comme on peut voir, il écrit optimisation des applications. Donc là, il est en train actuellement d'optimiser les applications. Donc voilà. Enfin, donc quoi, ça c'était un peu long au début, maintenant ça va être un petit peu plus rapide. Là, ça nous voit un peu lent. Donc voilà. On va. Voilà, donc là. Alors. Donc ici forcément ça va bien. Et moi je. Ah je. Mais putain. Mais je suis vraiment con en fait. Non, parce que quand même j'ai oublié, mais en fait, j'ai une carte micro SD. Et il faut que je mette dans la tablette. Donc pourquoi je mets la course tout de suite? Putain, je suis vraiment con. Ça me saoule. Oui, je suis vraiment con, ça m'énerve un peu ça. Voyez, oui. Mais pas grave, de toute façon, avant on savait que quand. J'ai trouvé. Avant que. Ouais, en fait, avant que je mette mes applications, enfin, avant que je mette l'application de base dont j'en ai besoin sur la tablette, je vais mettre donc la carte micro SD. Voyez. Enfin, voilà. Enfin, non, c'est quoi? Je vais faire plus simple. D'abord, je mets des applications et après seulement, je. Vous voyez? D'abord, je mets mes applications et après seulement, je mets. Mes. Et seulement après, je mets la carte micro SD. Donc, voilà. Bon, j'espère juste qu'elle va pas redémarrer une nouvelle fois. Parce que souvent, c'est ça avec ces trucs. Annonçons. Ça compte, je pense qu'elle a un peu perdu son ça. Alors, le petit code, bien sûr. Voilà, donc là, il y a écrit démarrage de la tablette. Voilà. Voilà, donc là, j'attends parce qu'il est actuellement en train de finaliser la mise à jour. Donc, il faut que j'attende un peu. Ouais, pendant qu'il finit les mises à jour, c'est que je mets mes comptes Google, comme ça c'est fait. Bon, allez, on se trouve tout de suite pour, par rapport à la conclusion de cette troisième partie. Allez, à tout de suite. Bon, donc, justement, à me revoir. Ah, c'était juste à part derrière moi. Bref. Ah, là, il avait écrit, mise à jour terminée, tout. Enfin. Alors. Donc là, cette troisième partie est terminée. Donc si cette troisième partie elle vous a plu, donc c'est pas comme d'habitude à vous abonner et tout. Donc là, bon donc du coup, on se retrouve à tout à l'heure pour la quatrième partie. Allez, à tout à l'heure.